autres publications sont prévues pour lundi 3 avril. Donc jetons un coup d'œil aux publications les plus importantes. Lundi va apporter les PMI de mars du monde entier. Et la première publication est celle de l'indice de l'Australie qui va apparaître dimanche avant 3h30. L'indice a bondi de près de 8,1% en février et a atteint son plus haut niveau sur 15 ans. L'indice tankan du premier trimestre du Japon va suivre avant 3h50. L'indice manufacturier a progressé en ligne avec les attentes au dernier trimestre de 2016, tandis que l'indice non manufacturier est resté inchangé. Les ventes de détail de l'Australie pour février seront disponibles à 1h30. Les ventes ont rebondi en janvier et ont annulé un glissement de 0,1% enregistré au cours du mois précédent. Le PMI manufacturier qui excite de la Chine pour mars, qui est bien surveillé, sera publié à 1h45. L'indice a progressé de 0,7 points en février car la production et les nouvelles commandes ont bondi. Les ventes au détail de la Suisse pour février seront publiées à 7h15. Les ventes ont continué à reculer en janvier mais à un rythme plus lent qu'une baisse annuelle de 4,1% enregistrée au cours du mois précédent. Une autre publication de la Suisse, celle du PMI pour mars, va suivre 15 minutes plus tard. En février, l'indice a surpris à la hausse et ayant atteint son plus haut niveau sur plus de 5 ans. La version finale du PMI manufacturier de la zone euro pour mars sera publiée à 8 heures. Une estimation initiale suggère que l'indice progresse depuis 7 mois et s'établit actuellement dans le territoire positif. Le PMI manufacturier du Royaume-Uni pour mars est prévu pour 8h30. L'indice britannique a perdu 1,1 point en février. Mais le rapport témoigne toujours d'une forte croissance des nouvelles commandes et de la production manufacturière. Deux publications sur l'économie européenne en février vont paraître à 9h, y compris le taux de chômage. Le taux de chômage reste au-dessous de 10% depuis 5 mois. Et c'est une bonne nouvelle car le taux s'est établi à un niveau élevé pendant 5 ans. L'indice des prix à la production ont progressé plus que prévu en janvier, grâce à un bond de 1,8% des prix de l'énergie. La publication suivante va paraître à 13h30 GMT. Et c'est celle du PMI manufacturier du Canada pour mars. L'indice a enregistré la 5e hausse mensuelle consécutive en février. Il s'établit actuellement à son plus haut niveau sur plus de 2 ans. Le PMI manufacturier ISM des États-Unis pour mars, qui est bien surveillé, va suivre à 14h. En février, l'indice a progressé de 1,7 points et le rapport a montré que l'indice pourrait rester élevé au cours de ces quelques prochains mois. Et puis, il y aura une pause dans l'ordre du jour jusqu'à 1h30 lorsque la balance commerciale de l'Australie pour février sera publiée. L'excédent commercial a reculé en janvier car les exportations ont reculé et les importations ont progressé. Un événement d'une grande importance pour les traders de l'UCI va suivre à 4h30 lorsque la Banque de réserve d'Australie va publier sa dernière déclaration de politique monétaire. Les taux d'intérêt restent inchangés depuis 7 mois et les analystes ne prévoient pas de changement dans cette déclaration. Je m'appelle Jessica Volker, vous avez regardé le calendrier économique pour lundi. Ne manquez pas notre prochain calendrier pour mardi. Au revoir.